avec trois petits bonshommes. Un qui a une très bonne mêlée avec une bonne massue. L'autre qui a un pistolet. Et le petit dernier qui a ça. Donc, il va falloir... Il y en a un qui n'avance pas, Redek. Déjà, il n'a donc qu'à faire une case 43. Donc lui, on ne va pas trop se préoccuper de lui. On va commencer par tirer sur celui-ci. Alors, il fait combien dehors? Il fait 60 degrés. D'accord. Et donc, Libellule, elle va jamais tenir le coup à 60 degrés. Hein. À 38 degrés. Et vous autres, vous tenez le coup à combien? Vous autres, toi, tu tiens le coup à température maximale 34 degrés, comme moi. Toi, tu tiens le coup à 28 degrés. Donc, Redek, toi, tu vas avoir vraiment des gros problèmes. En plus, tu es frêle. Et enfin, toi, tu tiens le coup avec 27 degrés. Ok. Est-ce que j'aurais besoin d'un de ces personnages? Alors, santé, cicatrice, santé. Toi, t'es pas très intéressant. Pourquoi t'es frêle? Regardez après. Donc il y a pas, ils sont déjà une bonne chose, c'est qu'ils ne sont pas drogués. C'est une chose importante. Les âges, 29 ans, c'est parfait. 84, toi t'es un petit peu vieux quand même, hein, Redek. T'es un petit peu vieux quand même. Hein. Par contre, t'étais transhumaniste, c'était très bien. Mais 84 ans, là, t'es à peu près mort. Donc ça c'est, on oublie. 45 ans, c'est bon. Cannibale. Incisif, misogyne, on t'oublie, malheureusement, c'est trop misogyne et incisif, il va pas arrêter d'emmerder le monde. Enfin, toi qui as 29 ans, tu es chétif, ça c'est pas grave, et tu as de la résistance psychique, ça ne me dérange pas, tu ne deviendras pas noble, et puis c'est tout. Par contre, tu as quoi? Tu as du ménage, de la cuisine, bah, tu peux, on peut te prendre, on a besoin de personnel un petit peu, mais tu ne seras bon que dans la médecine et dans le ménage et dans la cuisine. Bon, à part ça, tu peux nettoyer, tu peux transporter, donc toi, on va essayer de te garder vivant. On va essayer de te garder vivant. Donc, toi, tu es le plus dangereux. Est-ce que j'ai fait ma massue? Non, malheureusement, je n'ai pas fait ma massue. Ça, c'est fini. Ça, ils se prépareront un certain temps avant d'attaquer. Ah, interesting. Dos, peut-être qu'on aura le temps de faire ceci. Et donc, d'envoyer des bédules. Bah, tout de suite, tu vas me faire ça. Bah, maintenant que tu as fini ça. Et tu vas me faire ceci. Grizzly, t'occuper de transporter de l'acier. Par contre, est-ce qu'il y avait encore de Smokeleaf? Du Smokeleaf, tu n'as pas encore amené Smokeleaf, mec. Ça aurait jamais eu du Smokeleaf, moi, quelque part. Ouais. Donc, tout ça pour le moment, ça va rester un petit peu dehors. Voilà. Comme ça, l'autre ne va pas aller les chercher. Et on va essayer de faire ça. Donc, Libellule est parti chercher ce qu'il fallait. Et on va voir si tu vas arriver à me faire une masse. Ça devrait aller, je pense. Ça devrait être bon. Comme ça, il a un petit peu un meilleur matériel, notre petit grizzly. Après, il va falloir qu'on construise quand même en production un établi d'assemblage que je puisse enfin faire. Et
On mettra l'établi d'assemblage, ben, il sera très bien ici, je pense. Non? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que oui. Voilà, il a fini. La masse. Alors, malheureusement, c'est une masse en métal normale. Et donc, Grizzly, tu vas mettre ceci quand tu vas être fait. Voilà. Et donc, le mec, ils sont arrivés ici. Pas de chance, il y en a déjà un qui arrive. Tu me fais quoi? Tu mets le feu à l'éolienne. Donc, Grizzly, tout de suite, tu viens. C'est pas tout à l'heure, c'est maintenant. Et Libellule, tu viens ici. Alors, on va diminuer un petit peu la vitesse là, parce que. Tu vas te faire voir. Toi maintenant, tu vas me péter ce mec. Et toi, Libellule, tu vas ici parce que l'autre va essayer de passer. Voilà. Donc, on va laisser ceci ouvert. Ok. Ah, j'aurais dû les attendre. Non, j'étais un peu con. Bon ou t'étais pas bon? T'étais bon ou pas bon toi? Bio. Oui, j'ai dit ça, je m'en foutais. Ouais, toi tu m'intéresses. Comment tu vis? Comment tu survis? Comment tu vis? Installation mineure. Le problème, il te reste quoi? Comme survie, il te reste. Déjà, Libellule, tu vas zone, étant la zone de la base, tu vas me faire ça. Et tu te sens comment? Blessure par balle automatique. Là, c'est sale. Ici, ça ne devrait pas être sale. Donc, tu viens vite ici. Ensuite, Grizzly, tu viens me buter. Enfin, tu viens pas le buter, tu viens l'attaquer. Jean, tu combats le feu. On va espérer qu'il ne meure pas en un coup. Stop. Contusion masse. Il te reste une santé de 48% et tu as une conscience encore un coup et on va stopper ça. Stop. Jambe gauche. Contusion. Conscience 55. Douleur sévère est à 79, je pense que c'est à 80% qui va souffrir. Donc je pense qu'on va l'arrêter. Toi, tu reviens ici. Hop, pas de chance, c'est toi qui te fais avoir. On va te laisser souffrir. En train de cuire.
T'as chaud, mon gars. Ouais, 68 degrés, c'est dur, hein? Alors, bio, santé, donc. Douleur sévère, 79%. Conscience faible. Il n'avance plus, t'as 30%. Donc, on va laisser encore un petit peu se finir. Donc, toi, mon ami, tu viens vite fait. Toi, tu viens là, toi. Tu viens ici et tu me nettoies. Toi. Tu viens ici. Par contre, Jean, tu vas aller santé. Tu vas aller me foutre ce mec. C'est parce que tu n'es pas au bon endroit. Comment est-ce qu'il est habillé, au fait, le petit cat ici? Matériel. Bonnet, t-shirt, pantalon. Tu vas aller m'envoyer là-bas. Donc, pour que tu puisses aller le mettre là-bas, il faut que je te mette en. Le chauffe ici et tu vas aller porter ce mec aucun espace libre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un espace libre. Autoriser les corps pourris, les corps frais. Autoriser les cadavres. Bah oui, les cadavres humanoïdes, je crois que j'avais pas mis étrangers. Donc, reviens. Et je veux que tu me transportes ce mec-là. Bien qu'il fasse extrêmement chaud. Alors, ça, c'est merdique aussi, parce que ça va me foutre tout en l'air ici. T'es où, ici? Ok, tu viens. Dès que Grizzly a fini d'être soigné, je pense que c'est le cas. Grizzly, tu viens maintenant tout nettoyer. C'est important. Et puis après, on va soigner ce mec-là. Je pense que là, on devrait être propre un peu partout. Voilà, vas-y. Alors, on n'a plus qu'un seul. Donc, dehors, il fait hyper chaud. Donc là, je tiens pas trop le coup. Mais bon, ça ira un tout petit peu quand même. Donc je veux que ma pièce soit bien propre. Voilà. C'est pas la beauté, hein, c'est la propreté que j'ai besoin. Maintenant, Grizzly, je vais l'envoyer miner. Alors par contre, est-ce que ton minage, t'en es où dans ton minage? Parce que là, on va. J'ai trouvé un rendement minier. On n'est plus qu'à 91%. Et elle est à 92%. D'accord. Donc on va déjà demander à Libellule de venir soigner Decker. Mais Decker, je veux que tu sois. Ok. Pour le moment, je ne veux pas de ça. On va essayer de conserver un petit peu nos bidules. Note que dans quel état il est, pauvre garçon là. Il a quoi? Paire de sang mineur, balle fusil d'assaut, torse, bras droit, contusion, blessure par balle. Et contusion, je pense que c'est pas. Il n'y a pas de truc hyper grave. Mais il y en a quand même un peu. Ouais, je pense que. Bon, lui, il résiste mieux quand même. Elle est comment? Ouais, bah, je pense qu'elle devrait pas. Elle devrait arriver à faire ça pour le moment sans médoc.
La prochaine valse de Médoc, on n'est pas prêt de la voir. Hein. Et je préfère avoir de l'anneau 3. Si je peux acheter de l'anneau 3 mine, comme ça je peux construire ce qu'il faut. Donc, ma biche, soigne d'équerre, eh ben, tu me soignes d'équerre. Toi, par contre, tu vas venir ici prioriser la mine de composants. Je n'ai plus qu'un seul composant. Donc maintenant ici c'est propre, donc on a beaucoup moins de risques d'avoir une. Si on regarde le lit, vous voyez le lit, chance d'imperfection de la chambre, une chance sur deux, 51%. Et donc par blessure, 24, c'est pas génial. Ben dis donc, t'es pas doué aujourd'hui, ma biche, t'es connu meilleur, hein? Ah, ça c'est nettement meilleur, 35%, ok. Donc on va regarder, espérons qu'on ait peut-être un deuxième, est-ce que t'es là, toi? Tu vois plus clair là-dedans, c'est fini. Ok, c'est éclairé à 50%. C'est lui qui doit être éclairé, c'est pas ça qui doit être éclairé, c'est lui qui doit être éclairé pour que ça fonctionne. Bon, 4,9. T'as vraiment soigné ça comme un gros cochon, ma belle. Comme une grosse lait, comme un gros sanglier. Grosse lait. Allez, qu'est-ce que tu m'as trouvé? Ça, ça et ça. C'est génial, j'en ai besoin. Pardon, toc, toc, et hop, comme ça. Par contre, la lampe, elle va devoir bouger ici. Il faut qu'on puisse voir un peu plus clair dans cette histoire. Voilà. Donc, il fait 36 degrés. 33 degrés, moins 1, moins 2, la température à 62, on est. On passe, ok, ça me fait du bien ça. Tu donnes à manger à tout notre petit jeune. Merci, et ça c'est pour les femelles. Toi t'es quoi au fait, toi? T'es un mâle? T'es un mâle, tu vas pouvoir faire draguer nos petites copines. Donc c'est bien le chauve qui est en travail de... vérifions ça, le médecin. Interaction avec les pas les colons, c'est pas là, c'est les geôliers. Il n'y a que toi qui vas discuter avec, c'est très très bien. Voilà, tu vas lui apporter à manger. Ah, ce que j'ai oublié de faire, assignation. Toi, tu dois pas du tout du gastronomique, tu vas faire de la pâte aussi pour le moment. Il va falloir quand même faire des plats pour améliorer son. Bon, Grizzly, tu vas peut-être te réveiller. Tu vas nettoyer un petit peu parce que sinon c'est trop dégueulasse ici. Oui, tu vas. On va te laisser un petit peu faire ça. Pop, pop, pop. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu manges, tu nettoies. Manger. Tellement crade. Voilà. Alors, tu me dis quoi? Ça, on s'en fout. Ça, c'est quoi? Je voudrais vous lui envoyer un message de défi pour les inciter à attaquer et un pénitent. Le groupe d'indigènes est composé, arrivera à pied dans 5 jours. Les arriveront dans 5 jours. Il est quelle heure? Il est 13h, on va attendre 15h pour l'accepter. Et ça sera parfait. Là, on va bien entendu l'accepter à 15h. Jean, tu vas aller me chercher. Donc là, je te passe en 3. Et tu vas donc me faire...
qu'est-ce que tu as d'autre en 3? Eh bien, c'est exactement ce que je veux. Tu vas normalement aller me chercher les trucs là-bas. Un smoke leaf, normalement, si je ne me trompe pas. Non, tu polis d'abord un mur. Donc on va transformer, polir un mur. Là, et donc je vais te mettre en... Alors, il va nous falloir ici ajouter des portes. Le problème, c'est que je n'ai plus grand-chose en métal. J'aurais voulu les faire en pierre. Mais pour l'instant, j'ai pas trop de pierre. Ardoise. Machinerie compactée. Machinerie. Mais donc, ça va falloir faire aussi. Toi, libellule, c'est parfait. Alors, comment va ta santé, mon ami? Manip 86, on va patienter encore un peu. Ah, j'ai vu un truc à ciel ouvert. Bon, c'est pas ici, là. Non, c'était sans doute ça, un ciel ouvert, un truc comme ça. Ah ouais. Normalement, ici, c'est... C'est certainement pas un ciel ouvert. Mais alors, on est plus ou moins bon. Ça va. Ah, pourri. 32, c'est pas grave. Donc, on va supprimer la zone de ces animaux. On va l'enlever de là, on va l'enlever de là, et on va la remettre là-bas. Tu vas faire quoi? Tu fais de la relaxation sociale, c'est parfait. Et là, tu es parti transporter des pommes de terre. Oui. Et tu es parti dormir, c'est bon aussi. Ok, on tient le coup. Donc 58 degrés à peu près, 61 jusque 61, 62. Après, ça devient très très compliqué d'aller. Alors, monsieur, on se soigne bien. Pas encore. La smoke leaf, elle est encore en mauvais état. Jean, après, tu iras me chercher ça. Même s'il fait chaud. Tu auras le temps de te reposer après. Parce que Grizzly, j'ai besoin de lui pour l'instant. Donc, les animaux. Bon, il est toujours dans le safe animaux, ok. Pourquoi t'as pas bouffé plus, toi, hein? T'as tout ce qu'il fallait pour bouffer, mec. Ok. Coup de chaleur, ça, c'est pour Jean. Mais il revient. Comment tu prends d'un coup, Jean? 75 normalement? 61. 61, ça va. Tu auras le temps de te remettre ici. Santé. Sensation insignifiante. Ok, ça va. Ça va passer. Alors, le prisonnier, bien entendu, on va à l'Amadou, on va le recruter tout de suite. Alors, comme on voit ici, difficulté 52%, ça va. Chance de recrutement 97%, ça, vous pouvez l'augmenter avec une belle salle. Donc, ceci est directement basé par rapport à l'humeur d'ici. Donc, par point, donc ici je suis à 50%. Vous avez 97, si je passe à 51%, je serai à 99 de chances de recrutement. Voilà.
Clémence. Alors, onde psychique apaisante pour les femelles. Ah bon? Elles ont tout en même temps. Elles ont le physique, l'un et puis l'autre. Bon, non. Jean. T'as faim? Là, je me doute que t'as un petit peu faim. Combien qu'il reste? 54. Donc, on revient ici. Quête disponible, gardiennage. Dès que mon ami ici est rentré et va aller bouffer un petit morceau. Stop, voilà, on va manger mon ami. Et repose-toi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gardiennage? Donc ça, on enlève. Alors, on attend un tout petit peu. Ah oui, j'avais dit ici, je suis à 14h. Hein, on fera à 15h, dans une heure pour l'autre quête. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? A été pris au lit avec une copine. Il a emprisonné l'amant inconvenant en signe de négation. Maintenant, il faudrait que vous gardiez le prisonnier enfermé jusqu'à ce que le convainc pendant 16 jours. Si vous l'arrivez, vos fonctions avec s'amélioreront de 17 points. Pendant ces jours, je vais garder quelqu'un. Est-ce que je peux faire ça? Bon, pour le moment, elle expire dans 4 jours 9. Il est maintenant 16 heures. Celle-là, je vais l'accepter. Ok. Alors, il va me falloir que je reprenne. Ça, on va nous le ramener par ici. Le recharger d'abord. Et ensuite, on va recharger celui-là. Il faut patienter un petit peu. Est-ce qui est parti? C'est chaud, on va partir chercher le petit dernier truc. Bon, tant pis, c'est pas... ce sera bien. Grizzly, mon ami, alors, on est en bonne santé? Ah, c'est toi, si tu te lèves, mon gars. Hop, ben. Tu vas me nettoyer ça. Nettoie. Ensuite, tu iras nettoyer un petit peu tout partout. Hein. Voilà. Beaucoup de travail à faire. Mon petit chauve, un colon a besoin de soins. Donc, chauve. Et dormir. Ok, toi tu viens là. Ok, toi tu redeviens le lit du chauve. Bien. Ok, on a une nouvelle batterie qui est chargée, que je vais positionner éruption solaire. Je vais absolument rien positionner du tout. Et puisqu'il n'y a plus de... Bon, éruption solaire, on va interdire la porte ici pour le moment. Pardon. Je vais l'interdire. Ce qui veut dire que, comme ça, ils ne pourront pas aller là-dedans. Sauf que... Sauf
sauf que je vais me faire avoir. Et donc là, il fait de toute façon déjà 15 degrés. J'ai fait du pemmican. Donc, je vais pouvoir transformer je peux ici je vais pas cuisinière feu de camp je peux pas faire non plus j'ai pas de bois assez en tout cas pour faire un feu de camp on va devoir dépasser toutes ces saloperies là malheureusement bon de toute façon on va pouvoir laisser quand même ouvert comment va-t-on faire ça récolter on va juste récolter. On ne va pas couper, ça sert à rien. Voilà. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose d'autre que ça. Capsule de sauvetage. Ah. Toi, comment es-tu, mon ami? Alors, une santé, addiction. Donc, les femmes. Qu'est-ce que tu as d'autre, mon petit? Tu as 43 ans, tu ne peux pas faire d'études, tu ne peux pas faire d'art, tu es un grand marcheur, tu es un douillet et tu es un majeur. Ça ne va pas bien ensemble, ça. Donc la moindre douleur l'immobilise. Hein, seuil de choc à la douleur, moins 60%. Par contre, il est masochiste et il aime bien souffrir. Douillet et masochiste, c'est peut-être pas l'idéal, ce truc. Ça va durer ce truc. Non, environ une journée, mais la dernière fois on s'était déjà fait avoir. Donc Grizzly. Quand même essayer de tenir, on ne sait jamais, hein. Donc, on va finir un lit médical et on va demander à l'IPL d'aller secourir. Je n'ai pas spécialement envie de le garder, ce mec. Je n'ai pas envie de le garder. Il a rien du tout de spécial, je peux rien faire avec. Ça, c'est l'avantage du par défaut, comme ça on ne bouffe pas nos trucs. Bon, on va 32. Le chauve, tu t'emmerdes, excusez-moi du terme. Monsieur le chauve, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, mon ami? Ben, vous allez reprendre le travail de la recherche, alors. Hein. On va te remettre en recherche, puisque
puisqu'on a fini, il n'y a plus rien d'intéressant là pour lui à faire maintenant. Donc c'est dans le travail, et on va te remettre en 3, et 2, voilà. Ensuite, réflexion. Forestier, il est ici. Et donc, allez, forestier. Restriction. Grisly, temps libre, travail, il est quelle heure? Il est 9h. Voilà. Il me reste 17h. Là, il fait 58 degrés. Alors, ça, tu veux me donner quoi? Un Fennec. Ouais, pas de problème, hein. Fennec, j'en ai 12 jours. 12 jours, tu me donnes 3 médicaments avancés. Ouais, on va accepter ça sans problème. Le Fennec. Qu'est-ce qui bouffe le Fennec? On ne peut pas le savoir, il est mort. C'est un peu logique. On va accepter ça. Quête. Accepter la quête. Et Fennec. Tu vas bouffer de la viande. Par les Fennec, par contre, on va faire bouffer de la viande à Nelson et à assignation animaux. Pour le moment, on va les remettre au frigo, je crois. On va les mettre ici. Combien il fait dehors? 67. Je crois que le Fennec, là, il peut bouffer le cadavre ou pas. Oui, il est déjà mort, le cadavre. Il est déjà pourri à mort. En train de pourrir. Donc, logiquement, les animaux, ils vont pas le bouffer, je crois. Malheureusement. Ils ne bouffent pas la pourriture. Bon, la viande, elle va quand même pourrir. Donc, je peux pas, de toute façon, la cuisiner, ni en faire du... ni refaire du pemmican pour l'instant, puisque j'ai pas de cuisinière. Donc, mes animaux, je note que j'ai quand même vraiment beaucoup de patates, je suis toujours 1760. Nous sommes à la fin de ce mois-ci, il reste encore 30 jours. Ça ne devrait pas du tout me poser de problème à la nourriture, je crois. Donc, même si elle pourrit la viande, tant pis. Papier. Ouais, non, je vais en avoir plein, c'est par 180 là que je vais avoir de viande. Donc on va bouger nos animaux de là. Zone, une zone autorisée, la viande ici. Hop, 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 hop. Ouais, CF animaux, c'est ça. Donc on va enlever CF animaux de là. Et on va les mettre là. Donc, nos petits nouveaux Fennec ici, Nelson de singe. Et le Fennec, il vient là. On va pas s'amuser à les dresser, ce n'est pas intéressant. Voilà, ils vont aller bouffer de la viande, ils vont s'amuser tous les deux comme des petits fous.
touche à sa fin. Donc on est reparti dans la température. Et donc on va les remettre de nouveau. On va changer ça. On va enlever ça d'ici et on va le rajouter ces animaux dans les patates. Bon, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment que vous me donniez. Toi, tu vas, genre, dès que tu te lèves, dès que tu as fini ça, t'apportes la batterie. Je voudrais vraiment que. Alors, lien particule. Merde. Ah, ça va. Ok. Grizzly va pouvoir. Ça, c'est assez bien. Le seul problème, c'est que Grizzly, il a quoi en animaux? Ah, il a quand même 8, hein. Ouais. Bon, j'ai pas vraiment trop envie de garder des animaux. Là, il n'y a rien de spécial. Toi, tu vas changer de lit. On ne te met plus en médical. Donc maintenant, ça c'est pour Decker. Je voudrais qu'on me construise ceci. Donc Grizzly, tu nettoies, tu sèmes du lys. Libellule, tu sèmes du lys. Ensuite, Libellule, tu vas me construire ça et ça et puis Grizzly tu vas venir ici et donc, tout ça j'aurais peut-être dû d'abord replanter mais bon on va d'abord faire tout ce qu'il faut c'est pas grave on n'est pas pour le moment hyper pressé avec tout ça. Combien il fait dehors là? 67. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça devrait descendre, hein. Ça va pas rester à 6, 66. J'ai pas de composants, j'en ai combien? J'en ai juste 3. 4 degrés, 3 degrés. Bon. 2 jours et demi. Un jour 8, un jour 1. Ouais, ça dépend quand on revient dedans ou pas. Je peux faire du pémican. Je vais faire du pémican. D'abord des plats. Non, parce que les plats, ils ne conservent pas bien. Ça ne me sert à rien pour le moment, j'ai un superbe moral. Donc ça, on va virer. Ajouter une tâche. Nous voulons faire du pemmican x4. Combien il faut de pemmican x4? Une nourriture et une nourriture. Donc, ça veut dire, et ça m'en donne 4. Donc, oui, enfin, on va le reprendre. Attends, on va ajouter une tâche. Je veux savoir ce que ça me coûte dans un truc normal. Donc, normalement, il te faut 0,25 puis 0,25. Ça fait du 0,50. Et ça va m'en donner combien? Je ne sais pas. Ok, on va tester ça. Donc, Grizzly, tu viens d'abord. Donc, on veut activer. Tu vois ici. Hop. Ok. Et toi, mange. Et puis tu viens me faire ça. Il faudrait d'abord que tu me nettoies. On va voir ce que ça donne. Il faut 20 et 20 pour m'en faire 4. On va voir ce que ça va nous donner. 20 et 20, on va faire du pémican. Ok, c'est de nouveau congelé. Ça va, il fait de nouveau un peu moins chaud. 58, ça va. Alors, ça m'a donné 64 de pémican.
64 et ça m'a bouffé 40. 40 fois normalement 0,05. 40 fois 0,05. 40 fois 0,5, ça veut dire 20. Ça équivaudrait à 20. Et ceci, ça me donne 64. Ben je suis hyper gagnant là, non? Donc 64 pour 40. Donc j'ai consommé 40 bidules et j'en ai 64. C'est hyper rentable. Enfin, hyper rentable, c'est moins rentable peut-être que les plats, mais oui, parce que normalement j'aurais eu 4 plats à 0,9. 4 plats à 0,9, ça voudrait dire un 8, 3,6 de nourriture. Et là, j'ai 64, 3,6, et là, j'ai 3,2 de nourriture. Ouais, ben, je suis très content avec ça. On va mettre le pemmican ici dedans. Il sera très bien. Zone de stockage, on va ajouter le pemmican qui vient ici. Ah, pas, c'est pas dans les viandes. Voilà, le pemmican. Parfait. On a du pemmican. Ouais, moi je suis content avec ça. Par contre, ils vont tous continuer à bouffer un peu de pain, tout pain, oui. De l'autre côté, le pemmican, l'avantage du pemmican. Non, mais je m'en fous, ils vont bouffer. Peut-être à la limite, lui, je pourrais lui faire des plats pour qu'il soit un petit peu mieux. Donc, ses besoins. Manger un repas épouvantable, il a chaud bien entendu, dormir dans la chaleur, manger sans table. Légèrement, c'est une nuit de prison assez impressionnante, attente très faible. Pour le moment, c'est bon, tant que je n'ai pas météorite, minerai d'argent. Ok, c'est très bien. Ouais, on en avait un petit peu ici aussi, du minerai d'argent. Et il est justement tombé en plus dans un endroit où il y en avait déjà. Ben c'est bien, mais je vais pas le prendre tout de suite, ça ne me sert à rien. Comment va-t-on travailler tout ceci? Grizzly. Ah. Pourquoi tu. On va continuer ça alors, hein, mec. J'avais pas vu que. Ok, là je pense que c'est bon là. Ah non, c'est bon. Ouais. Attends, je vérifie ce que j'ai changé moi pour Grizzly. Là, je l'avais mis en truc ici. Hein. Oui, on va le laisser en 1 pour forestier. De toute façon, ça ne change rien. Alors, frénésie de tir. Ça y est, notre première inspiration qui vient de tomber. Matériaux stériles. Un, on en a des trucs qui viennent de tomber en même temps. Ok. Petite armurerie, prothèse, multi-analyseur, piano, non. On pourrait faire un vêtement noble, on s'en fout un petit peu. À la limite, si je fais ceci, je pourrais me faire de la bière, donc éliminer ces trucs qui me coincent depuis je sais pas combien de temps dans mon frigo. Nous pourrions faire. Quoi d'autre? De la production de drogue pour transformer le smoke leaf et vendre des joints. Ça pourrait se faire. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, on pourrait faire ça en 500 balles. Comme ça, je gagne un peu de sous pour acheter des autres bidules. Ok. Et donc, si je viens regarder entre le calcaire, on va faire un check comme ça, on est tranquille. Alors, ardoise et un de calcaire. On va commencer par un de calcaire tout de suite. Un bloc de calcaire, un bloc d'ardoise. Ça, c'est au départ. Qui est-ce qui va faire ça? Travail. Je pense que Jean va pouvoir travailler un petit peu là-dedans.
La 369, elle a bien entendu beaucoup plus, 7-10, mais ça n'augmente pas. Et lui, il a 5 mains. Mais il dit, j'ai plus besoin de lui pour faire d'autres choses. Donc le chauve va se mettre à travailler un petit peu la pierre. Alors, la pierre, ça se passe dans... Non, artisanat. Voilà. Donc, faire fondre. Donc, tailler des pierres. Ah, toi, t'aimes bien tailler des pierres. D'un autre côté, ça c'est intéressant aussi qu'elle taille quelques pierres, parce que ça lui fait du bien pour la santé mentale. Mes gens aussi pourraient me faire ça. En quatre, par exemple. T'as rien d'autre à faire. Une recherche finie. Pour le moment, la recherche, j'ai demandé quoi? J'ai demandé production de smoke-leaf. J'ai pas vraiment besoin de ça tout le temps. Et la bière. Et la bibine. Parce que là, j'ai plus d'animaux. Hein. Je peux plus rien faire. Par contre, je peux continuer à faire de ça. Ah, il me reste 46 et 3. Donc, on va refaire de nouveau ça. Mais tu vas me le faire en boucle. Tant que tu as de la viande, tu vas pouvoir me le faire avec un détail. Je veux pas de chair humaine et je ne veux pas de viande d'insecte. Parfait. Et je ne veux pas que tu me prennes le riz, mais je veux que tu me prennes les pommes de terre. Et je veux que ce soit grizzly, bien en... Ah, pas vraiment obligatoire. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être tout travailleur. Puisque là, il n'y a pas de problème d'intoxication de nourriture. Et donc, on va laisser tout travailleur. Voilà. N'importe qui peut le faire. Bien que, si on regarde ici, ben non, je veux que lui, de toute façon, au début. Mais bon, il n'y a que lui qui pourra en faire, de toute façon, puisque dans travail, j'ai marqué la cuisine. Logiquement, il n'y a que lui qui peut faire de la cuisine. Ouais. Voilà. Ok. Trois partout. Forestier 1. Fermier, il est en 2. Oui. Transporteur en 3. Et artisan, niet pour le moment. Par contre, tu pourrais aussi tailler des pierres en 4. Par contre, couturier, non, je ne sais pas que tu passes de couturier. Ça, on va aller enlever ça. Tablier d'assemblage, je ne veux pas pour le moment que tu me fasses du tout tous ces trucs-là. Alors, ça, on a terminé avec ceci. Bon, on va un petit peu arrêter ici.